Salut Jalois. Oui, je joue sur PS4, mais pas des masses. Un petit peu. Pas beaucoup. Et là, je me suis relancée sur le Don't Starve parce que je me suis rappelé que j'avais toujours pas débloqué tous les persos sur Don't Starve Shipwrecked sur la PS4. Donc je m'y attelle. Comme ça, après, je lâche Don't Starve PS4 parce que vraiment. Comparé au jeu de base, c'est compliqué à diriger. Alors, je crois qu'on en était au fait que. Réfléchissons. Je crois que le délire, c'était que. Voilà, là je suis dans le bon sens. Donc on va retourner voir le Yarktapus. T'aimerais bien Fuck du Factorio? Ah bah oui, on va faire ça. Je pense qu'on va faire une semaine avec des jeux avec les viewers parce que t'es pas le premier à avoir demandé qu'on puisse jouer ensemble. Donc il faudrait que on refasse une semaine jeu viewer. Avec du Rocket League, du Factorio, du Don't Starve. Alors, l'histoire, c'est que. L'histoire, c'est que j'essaye de faire pop le Kraken et j'y arrive pas. Et j'essaye de récupérer la clé et j'y arrive pas. Donc là, il faut que je reste dans les eaux profondes. On va équiper ça, comme ça mon bateau s'use moins. Ah bah voilà. Il suffisait de le demander. Bon, alors du coup c'est bon. Donc simplement, on va équiper une arme. Parfait. Et équiper la voile. Parfait. Et ça comme arme, bien sûr. Et j'ai un kit de réparation. Alors. Toc 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 toc. Oh, ne pas taper sur moi! Plus par là. Est-ce qu'on peut essayer de launch? Launch. Non, 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 je fais des conneries. Tant pis, on launche pas. J'y arrive pas. Hop là, ne pas taper sur le truc. Je voudrais juste pouvoir réparer, s'il vous plaît. Hop. Hop. Ah. Hop, repère. Voilà. Alors, il faut que j'aille. Ne pas se faire taper, ne pas se faire taper. Allez, c'est la dernière. Normalement, c'est bon. C'était ce qu'on était venu faire, donc tout va bien. Bon, par contre, le bateau a pris cher, mais c'est à ça qu'il servait, donc on va pas se plaindre. Alors, Iron Key, ça c'est bon. Donc on a notre deuxième clé. On a un Volcano Staff, Tulécite Crown. Ça, on le mange.
Ça aussi. Ça, on prend. Ça en équipe. En confit. Donc, ouais, le canon en bateau, c'est vraiment pas pratique. Je pense qu'on va pas le recommander. Ça. Et ça. Et il faudrait prendre le sac à dos parce qu'il drop des doublons, il est rigolo. Il fait du bruit, remarque. Il est un peu chiant. Parce que donc, vous voyez que j'ai eu un sac à dos magique. Tadam, sac à dos. Et le volcano stuff. Eh ben, je suis contente. Ça valait le coup de se connecter ce matin. Salut Héro. Merci pour les autoasses, les copains. Des gros bisous. Alors, je me suis quand même bien fait défoncer, mais je m'en fiche. J'ai la deuxième clé, donc c'est le principal. C'est ce qu'on était venu chercher. Alors, j'ai fait drop le filet. Dans le coin, on va juste regarder si je le retrouve. Parce que du coup, j'ai bougé dans tous les sens. Mais si ça se trouve, il y avait des trucs bien dans ce filet. Aïe. Ouais, c'est ça, je pense. Alors, il y a une amulette de vie. Ça. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, on peut lui confier aussi. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, donc là, c'était le filet. Donc, ce qui veut dire que maintenant, ce qu'on ne ramasse pas dans le filet, apparemment, se retrouve droppé dans la mer. Ce qui n'était pas le cas avant. Hey, salut Slopnar! Bon, ça se trouve, le jeu il était bugué hier qui me faisait pas pop le Quacken. Parce que là, le faire pop du premier coup, c'est quand même preuve que. Non? Vous trouvez pas? Donc là, l'Armored Boat, c'est bon. Ce qui veut dire. Chaussures. Toujours pas. Pour l'instant, rien. On va remonter à la base. Salut Harry Belmont. Donc ça va vraiment être un bébé live aujourd'hui. Je vais pas streamer très longtemps parce que j'attends du monde soon. Mais hier soir, je me suis arrêtée sur une ma faim. Vraiment, j'avais envie d'avoir cette deuxième clé. Donc, je suis contente. Et la troisième, je pense qu'on peut l'avoir sans trop de difficultés. Il faudrait que j'aille me faire sécher déjà. Toc. Les poissons, si vous vous demandez pourquoi je les cuisine pas, c'est parce que je voudrais les suspendre.
On va attendre d'être complètement sèche. Voilà. En route. À la base, j'ai un truc qui me... À ma base, pardon. J'ai un truc qui me permet de remonter ma santé mentale, donc je m'inquiète pas trop. Faudrait que je récolte des crocs dans pas trop longtemps. Les deux clés. Celle-là. J'ai le truc qui permet de remonter la santé mentale, Rowling. Donc du coup j'équiperai ça, en plus du chapeau, ça devrait suffire largement. Ah merde, j'ai encore oublié d'éteindre la lumière. Ça c'est mon ex. Oui, tiens, effectivement. Alors du coup le gold nugget en priorité parce que c'est ça qui va disparaître. Dans l'eau. Ah oui. Alors, attends. Drop. Hop. Ok, un autre. Hop. Store. Alors, qu'est-ce qui s'envole? Les plumes, à la limite, je pourrais les récupérer. Tout ça, je peux le récupérer dans l'eau. Ouais, c'est bon. Les stingers, je sais pas. Tout ça, c'est bon. Ça se récupère dans l'eau. La plume, on va la ramasser quand même au cas où. Ah, bah, j'ai pas de place. J'ai pas la place! Les doublons. Hop! Le parapluie. Le parapluie, disais-je. Je vais y arriver. Hop. Alors, on va suspendre les... C'est déjà la saison suivante? Non. Qu'est-ce qui s'envole encore avec le vent et qui ne flotte pas? Ça.
ça. Bonjour, j'essaye de tout ranger avant de tout perdre. Bon, d'accord, ma base est un peu en bordel. Bon, bah ça roule, arrivellement, à plus. Des bisous. On va équiper ça comme ça, la santé mentale remonte un peu. Tout ça, ça vole, c'est bon. Tac. Les plumes de dodo. Je fasse des allers-retours là. Salut Goyam. Salut Struffu, pardon, et Slaknar, je sais pas si je vous ai salué. Les plumes de dodo, on a dit. Ça. Ça. Faut vraiment que je fasse de la place là dans l'inventaire. Alors, on va faire de la place dans l'inventaire. Il me faudrait encore 3 planches. J'en ai 2, j'ai de quoi en faire une troisième, oui. On va faire ça. Tac. On va faire encore un coffre. Là-dedans, on va mettre donc ce qui est crafté mais qui s'envole. Bon, ça remarque. Take. Keep. On va faire remonter la santé mentale un petit peu. Hop. On va pouvoir se lancer dans la magie dans pas trop longtemps, je pense. Alors, ça c'est pour l'antivenin. Donc on a 2 clés. Je vais la mettre à côté. Tac. 2 clés pour libérer notre ami. Star, 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 star. Ok, ça c'est bon. Faudrait que je m'occupe de réparer mon. Alors, l'armure, on va la laisser là. Hop. Faudrait que je m'occupe de réparer mon. Mais. C'est Shipwrecked version PS4. C'est ça, Struffu, exactement. Tu m'as déjà dit bonjour. D'accord, désolé. C'est le matin, hein. Faut pas trop m'en demander. Le Dumbrella, le deuxième Dumbrella, on le garde. Ça, on va le ranger. Attention, Kyr est en train de ranger la base. Je sais pas si vous êtes conscient à quel point il faut noter ce jour d'une croix blanche. Hop. Un petit bottle. Je crois que les bouteilles, elles bougent pas avec le vent. C'est araignée contre serpent, là. Ouais. Hop. Alors ça, je pensais que le sable s'en irait à la longue, mais apparemment non. Je vais faire. Est-ce qu'il faut que je refasse un. Une cheminée du coup. Ouais, faut que je refasse une cheminée. En attendant, on va manger ça. Voilà, ça on va le drop, on en a vraiment pas besoin. Tac. Donc pour faire une cheminée, il me faut un deuxième. Comme ça, limestone, j'ai que 2. Voilà, 10. Take.
steak. On équipe ça. Limestone. Et du coup, hop. Cheminée. Alors. Du coup, faut que je dégage les bouteilles, évidemment. Cheminée. Si je mets ça, genre ici. Là. Les qualités de se lever si tôt le matin. Je suis assez d'accord. Figure-toi que c'est vraiment, vraiment un hasard. Je me suis levée très tôt, mais c'est quand même pas tout à fait mes habitudes. Bon. Alors, ensuite, de la santé mentale, s'il vous plaît. Voilà. Tac, ça, on range. Ça aussi. On va sortir ça. On va aller les cuire au feu de bois. Enfin, à la cheminée. Au feu de cheminée. T'es debout depuis 6h du mat. Tu travailles le samedi? Ou c'est du pur sadisme envers toi-même? Hop, take. Cook. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord. Je jette des trucs, moi, je suis comme ça. Alors, ça, on range, store, on range, store. Ça, c'est les gears, on peut store. Et les gemmes, on peut store. Ok. Les bouteilles, on va les laisser par terre comme une alcoolique, comme dirait Sgan. Là, la santé mentale va remonter tranquillou-bilou, comme je dis moi-même. Store. Ça, c'est de la magie, je le laisserai bien dehors quand même. Ah oui, mais ça s'envole, je suppose, les amulettes de vie. D'ailleurs, il me semblait que j'en avais une deuxième, je pense qu'elle s'est envolée. Ok, alors ça, on va le replanter. Plante. Oups. Le sable. Le sable, disais-je. Là. Store. Ça aussi, store. La moitié de ça que je store. T'as besoin de 5-6 heures de sommeil. Oh là là, la chance. Mes yeux se sont ouverts. Le truc qui m'arrive jamais, quoi. Si je me réveille, c'est que quelque chose m'a réveillé en général. Et encore, j'ai le sommeil vraiment lourd. Oui, je sais, le bruit du piaf dans le truc, c'est un peu chiant, mais comme je sais qu'après, va falloir le manger, tout ça. Le tuer, je veux dire. Est-ce que j'ai d'autres trucs là-dedans? On va garder ça à la main. Le fait d'avoir ça à la main, du coup, en fait, ça permet, vous voyez, de remonter ma santé mentale encore plus efficacement. On va ramasser tout ce bazar. C'est vraiment des trucs inutiles. La plume, je sais pas trop quoi en faire parce que j'ai déjà 10. J'en ai déjà 10. Faudrait que je les utilise en fait, en vrai. Store. Faut que je refasse un coffre. 3 x 4, 12. Il me faut encore 2. Bah, je vais aller loin avec 3% sur la hache. Voilà, merci. Est-ce que j'ai une autre hache, s'il vous plaît? Non. Est-ce que j'ai deux morceaux de... Alors ça, par contre, je peux ranger. Ça aussi. Voilà. Et donc je disais, ah bah tiens, elle est là l'amulette, ou c'est celle que je viens de poser? Non, c'est, elle est là, donc elle s'est pas envolée. Je voulais faire quoi? Une hache en or, voilà.
sauvegarde. Le petit serpent jaune en furtif là. D'ailleurs, est-ce que je pourrais pas dropper si ma deuxième. Qu'est-ce que je vais dropper? Le papier? Non. La deuxième amulette de vie. On va la dropper par là. Ah! Les chiens. On va équiper ceci. Équiper ceci. Et peut-être la même l'armure, histoire de faire les choses à fond. On va recharger juste ça. Clac. Clac. Et je vais dégager d'ici parce que je veux pas. Je pense qu'il va y avoir des chiens feu. Et je veux pas des chiens feu. Plus simple de tanker, hein. Désolé. Au début, je m'étais dit je vais esquiver tout ça, puis après, j'ai eu la flemme. Hop. Oh, le bruit du stuff en tue les sites, quoi. Poing, 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 poing. Alors. Donc, j'en étais à faire des coffres, hein. C'est reparti. Donc du coup là on est toujours sur dernière activité. Hop. Ça je peux. Dans le placard de... Ouais. Lumière. Planter. Store, take, take, cook. Store, store. Donc, je suis à 3, il me faut encore... Oh, ce bruit. Ah, je n'ai plus le chat. Non. C'est bon. Ça roule à plus tard. Bah, je serais peut-être partie, Geo. Hein. Je reste pas longtemps ce soir. Toc. Hop. Je
Toc. Ils sont en train de taper sur le piaf là ou c'est une idée que je me fais? Non, ils sont en train de taper sur le piaf. On ne met pas un coup supplémentaire au piaf, on est gentil. On va décaler ça. Voilà. La flûte de Pan que j'avais emmenée, finalement, je ne m'en suis pas servi. On va se faire tous les arbres parce que maintenant qu'on s'y est mis, on va finir. Tiens, il y a un bambou là-haut aussi. Pour la santé mentale, on peut faire de la banane glacée, de la banane à split en fait, équivalent de banane à split. Mais j'ai pas de glace dans mon frigo vu que j'ai eu un petit accident de type météoritique. Oui, j'arrive. Oui, chocolat. Alors attendez, je bois mon chocolat. Merci. Je l'ai pas fait chauffer. Ouais, c'est ce que je vois. T'as réussi à tout faire fondre? Dis-moi. Petit coup de tête comme ça, c'est. Ouais. En fait, on sent la poudre dans le lait. Mais c'est pas grave. Alors, salut Car, bienvenue. Bonjour. J'arrive. Donc on a trouvé ce matin au réveil, dans les 10 premières minutes, on a trouvé direct la deuxième clé, celle du Kraken. On a tué le Kraken là, au matin, au réveil. Il va me falloir d'autres abeilles. Il faudrait peut-être presque que je fasse un nid d'abeilles. Sur mon île, mais bon, on n'en est pas là. La dernière clé, on la cherche. C'est le Yarktapus qu'il a, donc on peut pas aller plus vite que la musique. Il faut juste que le Yarktapus nous la donne. Donc on espère que ça va coller. Et dans 15 minutes, je coupe. Et moi, je lance. Ils vont pas tarder, hein. Alors. Oui, donc je continue. Mes arbres. Du-du-du-du-du. C'est super chiant, ça cible trop mal. Voilà. Voilà. Et là-bas, il y a du bambou, mais il faudra que je le range après. Donc ça va là. Ça, on va le manger. Ça, on va le ranger. Take ça, je vais le faire sécher. Parce qu'une fois que c'est sec, ça se garde super longtemps au frigo. Ensuite, un comme ça, et puis une banane. Attendez, il y a le chat qui se pointe, il faut absolument que je gère. Salut le barbu! DJ Forceps, bonjour! Avez-vous trouvé le volcan? Oui. Quand même, jour 87, ça aurait été vraiment pas de bol. Attends, je vais te montrer ça dans 1 minute.
Alors. Hop. Ça je cook. Et le volcan. Donc voilà la map où on en est. Le volcan est là. Celui qu'on a mis super longtemps à trouver, c'est lui là. Le Yarktopus. Il faut qu'on retourne le voir d'ailleurs. Mais d'abord, je voudrais finir de ranger la base parce que je vais revenir. Il y aura du vent dans tous les sens. Et du coup, je risque d'avoir des problèmes de matos qui va s'envoler et voyager. Et du coup, c'est moyen. Alors, des coffres. Donc, on va faire, je pense. La question est, est-ce que j'en profite pas aussi pour refaire un deuxième bateau? Parce que mon bateau armure, finalement. Je pense que je vais faire un cargo. 4, 5, 6. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, eh ben c'est pas grave. Alors, on va poser le coffre, déjà. c'est pas grave. Hop là. Store. Tout ça, ça s'envole potentiellement. Ça, je vais l'équiper pour le remonter encore un peu la santé mentale. Live giving amulette, on va la mettre là. Qu'est-ce que j'avais? J'ai encore du matos à récupérer par terre, je pense, dans la flotte. Donc, si c'est que ça, ça va. Bah écoute, bien. Et toi, Barbu? Comment vas-tu? How are you today? Donc ce qui me manque aussi éventuellement, ça serait le bois magique pour faire la machine. Je sais pas trop où est-ce qu'il y a un arbre magique. Je regarde à tout hasard. Ici c'est possible. Si, je pense pas. Là, s'il y en avait un, il a brûlé. Non. Non. Je sais pas trop où ils sont. Normalement, il y en a hein, des armes magiques, mais si je les trouve pas, ce que je ferai, c'est que j'emporterai une hache. Puis on ira faire pop des triggards, c'est pas grave. Oh, du coup, faut aller couper des paniers. Vous en avez vu, vous, là, des arbres magiques sur ma map? Peut-être que je l'ai fait cramer. Hein. Là aussi, s'il était là, il a brûlé. Non, je peux. Plus belle journée de l'année aujourd'hui. Ah, dis-moi pourquoi, c'est ton anniversaire. Le barbu, c'est ça? C'est pas tout ton anniversaire. Store. C'est l'anniversaire de ta chérie. C'est le 1er avril, c'est pour ça? Pas super fan du 1er avril, moi j'avoue. Alors, ça store. Encore ça store. Du coup, ce que je voudrais faire maintenant, c'est des planches. Donc, encore 3 planches, puisque je les ai fait. Tac. Non, putain! C'est le 1er avril, la journée de la blague. Bon, j'en ai marre de me planter. Flûte de pan. Bon, 3 flûtes de pan. On va peut-être en jeter au moins une. Enfin, en ranger. Au moins 2. Je me suis encore plantée. Hein, C'est pas grave. C'est non-sens. C'est pas grave. On va y arriver. Mais c'est un peu chiant. Là. C'est le clavier, enfin la manette, je m'y suis pas encore faite du tout. Pegleg, je pense qu'elle s'envole, mais je me demande si je peux pas la donner au. Je vais la donner au Yarktopus pour voir si en échange il me donnerait pas la clé. Genre, ça se trouve, il y a plus de chances d'avoir la clé si on lui donne le Pegleg, vous voyez. Réflexion absurde, hein, on est d'accord, mais. Pour faire une voile en tissu, il me faut quoi? 2 cordes et 2 bambous. Je crois qu'il y a du bambou là-haut.
D'accord, il y en avait un. J'ai pas d'autres bambous, je crois. Si, là-dedans? Non. Ah, si, dans le piaf. In the piaf. Plaque. Et alors, il faut que je fasse en tout 3 cordes et encore 2. Cette fois-ci, je prépare le bateau sans me planter. Bon, et ben on pourra pas dire que je manque de coffre dans cette base. Putain, mais c'est chaud quand même. J'ai les mauvais réflexes dans les mains, quoi. C'est super chiant. Juste super chiant. On va planter ça. Pourquoi tous les bâtiments sont pas comme les arbres? À construire sur soi. Parce qu'en vrai, ça réglerait pas mal de problèmes. Hein. Alors, ça je range, ça je mange, ça je tue. Voilà. Hop. Je vais couper ça plutôt d'ailleurs. Sable. Je vais ramasser ça aussi. Vite fait, je fais le tour de mon île, voir ce que j'ai loupé. Ça, bonjour. Et 12 là. Je m'en fous, j'y arriverai à le refaire mon cargo. Alors, on va dropper la hache ici, j'en ai pas besoin. Ah si, on a dit qu'on la prenait pour faire pop les. Je vais la prendre pour faire pop les monstres. Il y a du sable dans un de ces coffres. Il y a des soies d'araignée dans un de ces coffres. Non, je pense qu'elles ont brûlé. Ok, on va mettre ça. Ça, on va le ranger là. Est-ce que je mets à planter le reste? Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Ok. Kit de couture. Il n'y avait pas un kit de couture dans le coin? Ah. Voilà. Faut que je range encore tout ça. Et après seulement, on pourra y aller. Donc la voile, je vais la dropper ici. Je vais prendre celle-ci pour la finir. Ça, je l'emmène aussi. Ça, c'est pour le mettre pas du tout là. J'ai plus besoin d'aller à la machine à soupe parce que j'ai déjà la canne. Qu'est-ce qu'on voulait hein. La pelle, pourquoi pas, je peux l'emmener. Ça, par contre, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Donc, je vais le mettre dans un coffre. Oh putain, mais je pensais que c'était Le YouTube. truc, ça, j'emmène. Je recharge. Et je suis opérationnel, je pense. Ok. On va faire donc 3 planches. Je m'applique cette fois-ci, je cherche pas à aller trop vite. 1, non, 6 planches. 2, 3, il faut que j'en coupe d'autres du coup. Et oui, parce que j'ai encore fait une erreur. Donc c'est une planche par arbre géant.
crois qu'ils sont pas géants ceux-là, mais c'est pas grave, ils me gênent. Et j'ai besoin de bois. Non, pas le saving au milieu. Trois fois quatre, 12, c'est bon. Donc deux autres planches. Et maintenant un bateau. C'est quand même pas compliqué. Voilà. Ça, on va le planter. Voilà. L'œuf, on va le manger. La viande de mon monstre, on la range. Ça aussi, on le range. J'ai quoi? J'ai un peu la flemme, j'avoue, de cuisiner, mais quand même, il va falloir. Donc, hop. Et hop. On va cuisiner vite fait. Comme ça, je pars avec des meatballs. Cook, cook. Cook, cook. Je rappelle que là, si ma banane avait été un légume et pas un fruit, je partais non pas avec des meatballs, mais avec un pierogi, qui est beaucoup moins utile dans mon cas. Ok. Ça, on peut juste le changer de place au cas où. Et c'est bon, on va ramasser ça. Et le mettre là. En route, petite troupe. Je ramasse auprès. Il me suit ou pas l'autre? Oui. Je ramasse auprès de. Auprès de mon arbre. Tiens, il reste une plume là-dedans. Là, il y a une pelle. 400, je prends. Donc, je ramasse, disais-je, dans mon armored boot. Ça. Et ça. Hop. Clac. Et à la place, je fais un cargo boat. J'ai plus que 57% par contre sur mon truc. Sur mon arme, donc je vais peut-être en emporter une neuve. Ça peut servir. 57 et 21, 71. Et 11, voilà, ça ira très bien. C'est juste qu'il faut que je pense à équiper celle-ci en priorité. Donc on va premièrement à... qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Premièrement au Yarktapus, lui donner un nouveau truc. Deuxièmement... chercher du bois magique en coupant des palmiers. Genre là, par exemple. Ça, c'est juste à côté. En route! Brave matelot! Hop. Alors... on équipe ça et on équipe ça. On allume ça. Et du coup, on peut équiper ça. Voilà. C'est trop bien les cargos, il y a de la place.
C'est cool d'avoir de la place, Seaweed. Aïe. Si on pouvait essayer d'aller éviter de se... enfin d'éviter de se prendre des vagues dans la gueule, ce serait pas mal. Hey, salut Max Holcorn. Trop triste, je suis loin d'être millionnaire. T'inquiète donc pas. Écoute, ça va. Moi, je gagne ma vie, Maxol. Tout va bien. C'est ce que je dis toujours. Les dons, c'est vraiment pour le stream. Pour moi, vous vous inquiétez pas. Je travaille. Tout va bien. Si j'ai pas de sous, c'est mon problème. C'est parce que je les dépense pas bien. Un jour, je ferai ça. Rapide cette voile. Ouais, et puis j'ai la canne aussi. Ça aide. Là, j'ai canne plus voile, donc ça va super vite. Faut que je surveille juste l'usure de la voile. Prévenez-moi quand elle est à 10%. Comme ça, avec le décalage. Wout! Bonjour! Comme ça, avec le décalage, je la verrai. Enfin, vous me ferez remarquer à temps. Parce qu'en fait, il faut que je la répare à bientôt. C'est bon, je peux m'arrêter 2 secondes là pour éteindre ça? Voilà. Yarctopus. Faut que je m'arrête pour la réparer, mais comme c'est la fin de mon kit de couture, il faut absolument que je la répare quand elle est à 10%, quoi. Au dernier moment. Une voile en cactus? Non. C'est pas une voile en cactus, c'est une voile en plume de dodo. On est un peu dégoûté d'ailleurs parce que on a loupé l'utilisation optimale des dodos parce qu'ils se sont fait bouffer par des chiens. Parce que j'ai galéré toute la nuit à m'occuper d'eux. Alors, est-ce que je peux te donner ça? Non, tu t'en fous. Ok. Ok, très bien. Alors, je vais te donner autre chose. J'en ai là-dedans. Ah, j'ai plus qu'une bouteille de soda. J'ai plus rien d'autre à lui donner. Il va falloir aller chercher des trucs à lui donner. Allez, donne-moi. Donne-moi la clé. Celui-là, on va le laisser là pour l'instant. Tac, store. Donc, on n'a toujours pas la clé. Ça, c'est un peu triste. On va aller dans la valise de voyageur juste là. Il est bientôt l'heure de couper pour moi. C'était vraiment un bébé stream. Ok. Ça Par contre, dab. là, il y a un Yeah. truc. Yeah. On va aller fabriquer une canne à pêche vite fait, parce que là, si je pêche, j'ai peut-être une chance de trouver des trinkets. Salut, Best Sandra World. 10. 10 Best Sandra World. Pourquoi 10? Il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait Best Sandra World? Je me demande. Alors, voyons voir. Ça va être la première fois que je m'aventure sur cette île, tiens. C'est drôle, il reste des flaques de mousson partout. Je pense qu'elle est un peu buggée, ma carte. Chaque fois que j'arrive, même quand c'est pas du tout la saison des moussons, j'ai des flaques de mousson, puis après elles se résorbent. Alors, il y a des singes qui se sont vénères. Nous, on va se faire, il me faut 2 soies d'araignée, donc on va se faire quelques araignées vite fait. Avec la bonne arme, on n'oublie pas. Donc pour une canne à pêche, je rappelle, il me faut, je crois, 2 soies d'araignée et des brindilles. Mais putain! La cible! Tellement pas opti de ce jeu. Maintenant je me méfie, j'y vais tranquille. Ok, c'est bon. On va se faire un papillon ou deux, histoire de régène.
Ok, eh bien retour. Donc, canne à pêche, je disais. Ouais, c'est ça. Juste des brindilles et de la soie. Chiotte, tristitude. Oui, c'était un ch'ti bébé stream. Non, non, bah je vais pas couper, genre là maintenant tout de suite, mais dans pas longtemps quoi. Dans 10 minutes, parce que j'ai du monde qui arrive à la maison après. Donc, c'était vraiment parce que je suis sortie de mon stream hier un peu frustrée à l'idée de ne pas avoir eu le Kraken. D'ailleurs, je me suis connectée. J'ai commencé à manipuler le filet et j'ai direct eu un Kraken. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait un truc de buggé, je pense. En tout cas, que vraiment le jeu, il voulait pas que j'aie le Kraken hier soir parce que... Alors... Une carte usagée, cassée plutôt. Hop. On va la mettre là, on reviendra plus tard. Du coup, ça c'est bon. Tout à gauche là, je pense que j'ai tout pêché, à mon avis. À mon avis, j'ai tout pêché. Maintenant, faut que j'aille couper deux arbres. On va y aller là. Qu'est-ce que je pourrais ranger? Ça, je vais le ranger. Non, pas ça. Ça. Hop, ça aussi. Faut que je surveille ma voile. Faut que je cueille de l'herbe, tiens, aussi. La canne à pêche aussi, je vais la ranger. Voilà, très bien. Dragon Ball Evolution, poisson d'avril. C'est ça. Bon, opération coupage de... Ah, ça vient de vibrer chez moi. Est-ce que c'est pour me dire qu'ils sont en bas, qu'ils ont pas le code ou quelqu'un faut que je vous abandonne direct parce que je suis pas habillée? Non, c'est bon. C'est une notification. Donc là, on va essayer de couper un maximum de bananiers, enfin de palmiers, pour espérer trouver des... Enfin, activer des... Trigarde, ce serait parfait, parfaitement royal. Il y a tout ça qui est démoli. Je suis venue. Ah oui, c'est vrai, je suis venue ici pendant les chutes de météorites. Il va faire nuit bientôt, mais j'ai quand même envie de les tuer. Ouais, mais j'ai pas de... Non, j'ai rien pour tanker. Tant pis. Il y a des dragons partout sur cette île. Ça va être l'îlot dragon. Lilo, oiseau. Da-di-da-da. Oh, pleine lune, cool. Salut, petit soleil. Oui, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Pourquoi il y a des flaques de mousson qui s'agrandissent alors que c'est pas la saison, ça? On saura pas. C'est complètement buggé. Bon bah on s'en va d'ici, hein. Alors il me semble avoir vu une fois que il y avait. Je coupais un cocotier et en fait les arbres de savane qui étaient à côté se sont transformés. En... Ça devrait pas être la saison des moussons, c'est ça qui est bizarre. Il devrait pas y avoir des flaques de mousson. C'est d'abord la saison des vents. C'est très étrange. Se sont transformés, les arbres de jungle se sont transformés en cocotiers trigardes pour défendre leurs copains. Donc du coup, j'ai bon espoir d'y arriver.
Tu gardes les onglets tout le temps ouverts comme moi. Tatalitalo. Kire toute nue. Peggy 18. Non, mais il faut que je me sape. Saper comme jamais, comme dirait l'autre. Alors. Bon, je comprends pas pourquoi il y a des flaques de mousson. Aucune idée. Bizarre. Vous voyez, elles descendent là, les flaques. Du coup. Bon. Éventuellement, avoir plus de noix de coco, ça permettrait peut-être de replanter les cocotiers. C'est que des arbres normaux. Ah non, là, il y a un arbre à coco. Alors, est-ce que si je coupe un autre arbre à côté de l'arbre à coco? Ça n'a rien changé, je pense. Faut que je prenne de quoi cuisiner. On cherche encore des noix de coco. On va faire un feu d'abord, peut-être. Faisons un feu. On va cuisiner ça. Tout ça, c'est en attendant que les arbres poussent en fait. Ça va le singe là qui me pousse carrément? Non mais tranquille le gars quoi. Tranquille ce singe. Alors, je cherche des cocotiers de niveau 3. Arrêtez de vouloir manger mes ailes de papillon. Ouais, on va aller sur l'île d'à côté, je pense. Déjà, il n'y aura pas de singe, donc ce sera forcément une meilleure île. Ça se voit, comment ça se voit? Qu'il lit pas beaucoup, moi je trouve que ça se voit pas, au contraire, j'aurais pas cru. Vu en général, c'est les gens qui ont pas une bonne orthographe ou on dit ça se voit qu'ils se lisent pas. Pourquoi tu lis ça? Ou alors c'est par rapport à un truc que j'ai dit moi, peut-être. Salut Dark Moros! On a eu la clé du Kraken en tout début de live. Alors, si vous voulez voir un combat contre le Kraken, c'est simple, vous mettez le replay. Vous regardez les 10 premières minutes et c'est bon, vous aurez le combat contre le Kraken.
Allez, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne, on y croit. Pourquoi y a pas de coconuts qui pop? En plus, il devrait pop par 3 à ce stade du jeu. Ah, que les gens trouvent que c'est trop long, ouais. Ouais. En même temps, ça a été écrit, ça a pas été écrit à une époque où c'était encore bien vu de d'écrire au numéro, non, c'est pas ça. Enfin, d'écrire au numéro de. T'étais payé à la au caractère, à la lettre. Je vais avoir un cochon-garou à gérer là-dessus, mais c'est pas grave ça. J'aurais bien voulu encore un petit peu plus. J'aurais bien voulu un petit peu plus d'or pour refaire une. Une hache en or. Tant pis. Ah, je pense que je vais pas pouvoir gérer sans tuer le cochon, mais j'aimerais bien le garder parce que je vais avoir besoin de son aide pour tuer les. Je vais faire le tour. Potentiellement pour tuer les coconuts guard. Ça peut servir d'avoir un cochon-garou. Je n'ai plus le chat! Non! Mais c'est pas possible ça! Ça veut pas. On me le reproche souvent quand je fais de longs écrits. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire, changer la tournure. C'est l'astuce. Il s'appelle Kiwi le mob. À la main. Il bouffe des graines. Kiwi bouffe des graines. Aïe. Parce que c'est vrai, à quoi bon mettre des armures quand on en a? C'est tellement has-been les armures. Bref. Ça, c'est la marée qui monte. Donc ça, c'est normal, les flaques qui s'agrandissent. Ouais, ça va être l'heure, là, bientôt, pour moi. Exprès, avec un S. Express. Accent grave S. Ça, au contraire, c'est la preuve de quelqu'un de malin que tu mettes d'autres. Ah putain, mais ça m'a fait super mal le truc qui m'est tombé du crâne là. Mon chat qui s'est endormi comme une crotte. Le truc m'est tombé sur le crâne, ça m'a fait genre super mal. Cook. Ça aussi, cook. Bon, eh bien, pas de triggard avant d'aller se coucher. On va essayer vite fait de retourner voir le Yarctopus au cas où il serait d'humeur à nous donner quelque chose. Tiens, je vais cuisiner encore deux limpets. Les chapeaux de forme, exactement.
Ça protège tellement mieux. C'est ça aussi. On sous-estime la protection. Avec une coco qui t'est tombée dessus, c'est vrai? On en parlait hier, on disait ça devait quand même être rageant si t'es celui qui meurt quand t'as une coco qui tombe dessus. Je dis, je suis sûre qu'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé. Comme quoi, je n'avais pas tort. Allez, on va essayer celui-là. Parce que je le sens, je sais pas pourquoi. Allez! Allez! Non, bon, d'accord, très bien. Très bien. Hop! Canne. En plus, j'ai plus de. J'avais plus du tout de peau de cochon. Je pense qu'elles avaient brûlé aussi avec le reste. Tout avait brûlé de toute façon. C'est facile. C'est facile, tout a brûlé. Je vais faire de la place parce que je vais avoir les algues sur moi en fait. Tac. J'ai fait pire. Ah oui, de toute façon, les façons stupides de mourir, c'est ça, c'est limite ça qui est drôle aussi dans Don't Starve, quoi. Je pense que t'as pas joué suffisamment Don't Starve si t'as pas ragé au moins 5 ou 6 fois sur des façons débiles de mourir. Minimum. Alors, bonjour monsieur. Vous disposez actuellement d'une carte? Non, perdu, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Non mais. Bonjour! Take. Take, voilà. Merci. Give. Donnez-moi la clé! Yes! Ben voilà, on a les trois clés. Bon alors du coup je peux pas m'arrêter là-dessus. Vous en êtes bien conscient. Donc du coup, direction tout de suite la maison. Puis... Ah ouais, là je peux pas m'arrêter, c'est pas possible. Hop, take. Merci beaucoup. Alors, direction la maison, puis il faut que je répare ma voile tout de suite, avant d'oublier. Toc. Ah, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on a les trois clés, ça y est. Du coup, on rentre à la maison. On récupère les deux autres clés. On retourne au volcan, on libère le capitaine. Et ensuite, on pourra aller se coucher avec la conscience pour nous. Sachant qu'on n'a toujours pas débloqué les deux personnages à base d'XP, puisque je suis pas encore morte sur Shipwrecked. Du coup, j'ai pas ni Walani, ni le chef. Et ça, il suffira de mourir pour les débloquer. Parce que figurez-vous que même si on recharge une nouvelle map avec un. En utilisant la machine là, qui permet de charger des nouvelles maps, eh bien ça ne suffit pas pour récupérer l'XP. L'XP, on la récupère vraiment que si on meurt. Du coup, bah si tu meurs jamais, bah tu débloques jamais de personnage. Je ne vais pas dans la bonne direction parce que j'ai fait tourner ma carte. Ok, je contourne l'île là vers le nord et après. C'est bon. Trop forte. Bonjour les chiens. C'est l'île où il faut jamais s'arrêter, celle-là. Je crois que j'ai fait pop une seule baleine sur cette partie. Là, il faut que je descende ensuite. Bon, on aura réussi, je pense, avant le jour 100. Mais ça a quand même été long, hein. Et dans pas longtemps, on devrait avoir le boss. Ah non, il pop à la fin de la saison, je crois, le boss. Ouais, il pop à la fin de la saison. Hop. Alors. On va faire de la lumière, hein, il n'y a pas de raison.
Ensuite, ici, je vais récupérer tout ça. Tac. Je vais suspendre ça. Et ça. Mais bon, a priori, je reviens pas, mais bon. On va récupérer les deux clés. On va dropper ça dans le frigo. On va manger le beurre, je pense, pour récupérer les points de vie qui vont bien. On va take ça. Donc, j'ai les trois clés. Une, deux, trois. Ça, on va le ranger. Le bois. Je crois que j'avais même pas emmené les. J'ai même pas emmené de quoi exploser l'obsidienne, donc tant pis, j'aurai pas d'obsidienne. Mais bon, on y va juste pour débloquer le gros, hein. On va pas s'emmerder. On va pas s'embêter, pardon. Clac, 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 c'est bon. J'ai pris la nourriture. Éventuellement, je peux même prendre ça, mais non, allez, on y va comme ça. Ah si, et je voulais prendre juste lui, parce que bientôt. Putain, mais je suis nul! Hop. Oh la vache, je l'avais bien vu! Clac. Mais Voilà. j'étais sûr que Allez, ce en serait pas route. Oh, route. Alors, le volcan. Le volcan, c'est plein sud, facile. Hop. Salut sniper. Petit coucou du taf. Bah t'inquiète, je vais couper dans. Normalement, je devrais déjà avoir coupé. Donc incessamment sous peu, on va juste aller au volcan pour libérer le pirate. Et ensuite, je coupe. Ah, j'aurais peut-être dû prendre les longues vues. Je sais plus si j'ai déjà exploré le volcan ou pas. Avec les longues vues, on trouve plus facilement le pirate. Mais bon, on va dire qu'on a déjà exploré. Malgré le petit rip sur les dodos. Je suis la pro de Don't Starve. Écoute, Maxol, si tu aimes bien voir les gens vraiment doués sur Don't Starve, je t'invite à suivre la chaîne de Joe Mo Cool Stuff. Joesh Mo Cool Stuff. C'est un gars, il m'a retweet récemment. Et lui, si tu veux, même moi je reconnais mon maître quoi. Lui, il est vraiment vraiment doué. En challenge. C'est vraiment impressionnant. Ça y est, changement de saison. Ouais, il est vraiment doué en changement en challenge. Et en fait, il fait des speedruns, il fait merde, il code des add-ons aussi. Faudrait que j'essaye d'éviter de me prendre toutes les vagues non plus parce que j'ai rien pour réparer mon bateau et je crois que j'ai pas de bateau d'avance non plus. On va faire un feu dès qu'on arrivera sur place, histoire de se sécher. Apparemment, j'avais abandonné du matos ici. C'est quoi là? D'accord. J'avais vraiment largué tout mon stuff par terre comme une grosse sale. Nightmare Fuel. Allez, on monte dans le volcan. Bonjour. Non, c'est toi la plus forte du tout le Switch. Ah. Allô? Le jeu, s'il te plaît. Est-ce que je fais un feu? Non, je vais déjà équiper ça pour arrêter d'être trempé, puis on va attendre tranquillement. Alors, non, c'est bon, j'avais déjà exploré et j'avais trouvé la cage, je pense. Voilà, tout au nord, là. Ici. Donc, on va aller à la cage. Alors, si je veux faire remonter ma santé mentale, deux choses l'une. Il faut d'abord que je me sèche, donc on va faire ça.
Et ensuite, il faut que j'équipe ça. Mais il faut qu'il soit sec pour qu'il fasse remonter. Sinon, il fait descendre ma santé mentale. Mais en attendant, je cours plus vite avec ça. Donc, je préfère garder la canne. Tant pis, ma santé mentale va continuer à descendre un petit peu, mais ça devrait l'aller. Ce que je vais faire juste, c'est que je vais manger ça. Enfin, je vais le cuisiner, le manger. Pour me soigner un petit peu. Et en route. Alors, on se méfie des cactus si vous passez trop près, ils vous balancent leurs épines à la gueule. Ça, c'est les rochers d'obsidienne. Si vous voulez récupérer l'obsidienne, il faut les faire exploser. D'où la seule utilité pour moi, en tout cas, des bombes que l'on trouve un peu partout. Alors, notre ami, bonjour! Une clé, deux clés. Attendez, je change de chapeau parce qu'on voit rien. On va mettre le chapeau de pirate. Ah non! Mais attends, je suis occupée! Super. Bon bah voilà, on a fait tout ce qu'on était chargé de faire sur cette map. Je vais remettre mon chapeau quand même. Parce qu'il pleut. C'est pas tout ça, mais il pleut. Et puis, bah c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. Je pense que je vais du coup plus jamais lancer la version PS4. Mais enfin, tous les persos sont débloqués. J'ai plus qu'à mourir pour finir de débloquer tous les persos. Le pirate est libre, exactement. Ça fait plaisir. Le singe, on l'avait déjà débloqué et donc il nous reste plus que. Il nous reste plus que les deux persos d'XP. Alors soit je me suicide pour débloquer les persos. Soit te suicide pas, ouais voilà. Parce que le truc en fait, c'est que. Si jamais. Tiens, je vais aller voir à combien il en est le bateau. Le truc, c'est que si jamais je me suicide pas. Attends, faut que je mette ça. Comme ça, je ramasse ça. Ouais, le truc, c'est que si je me suicide pas, je débloquerai jamais les deux autres persos. En tout cas, sur cette partie. Il faudra que je les débloque sur une autre partie. Mais en même temps, c'est un monde. Bah voilà, on a bien bossé dessus. Par contre, on a tué les deux dodos de la map. Bon, c'est embêtant. Faudra éventuellement recharger la carte. Et puis, on n'a pas encore monté un monde alternatif, un monde Reign of Giants pour cette partie, donc c'est un peu dommage. Et je me demande si j'ai trouvé la table pour monter un nouveau monde, justement. Sinon, on fera peut-être ça, éventuellement. Oh, j'ai pas l'impression qu'on ait trouvé la table. Nope, nope, nope. Ah, si, peut-être là. Non, donc on n'a pas de possibilité pour l'instant de recharger un nouveau monde. Donc il faudra faire ça éventuellement. Bon, eh bien, je fais un retour à la base et je vais vous dire bonne journée et bon week-end puisque moi j'ai du monde à la maison jusqu'à dimanche, je pense. Je te ramène. Non, mais en plus, si je me suicide, c'est vraiment du gâchis parce que non seulement la partie elle est pas trop mal, elle est pas ouf, mais elle est pas trop mal. Et puis en plus, j'ai déjà une pierre de res d'active, donc en plus je vais dépenser une pierre de res pour rien en fait. Ce qui est encore plus dommage. Donc bon. Salut Diablox! Je vais pas tarder à couper Diablox, je suis désolée. Je retourne à ma base et je coupe. Mm-mm.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dedans à ramasser éventuellement? Ouais, il y a pas mal de trucs. On va couper là. Les amis, je sais pas comment on fait. Voilà. Save and quit. Plein de love à tous. Exactement. Je vais trouver quelqu'un à host et je vous fais des gros bisous. Je sais pas encore trop comment il faut faire, mais je vais y arriver. Option, genre, voilà. Bisous!